Eh oui, nous revoilà en compagnie de Hermione Granger pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. Bon. Écoute Hermione, je voudrais m'excuser de ce que j'ai dit sur la fin de la précédente vidéo. Tu n'es pas une pétasse, voilà, je m'excuse vraiment, voilà, je m'en veux. Mais des fois j'ai la tête qui tourne dans ça, ouais, je sais plus quoi faire. Bon, allez, j'y vais. Bon, on se souvient que je dois trouver l'affaire. Et je l'ai trouvé. Parce que sur la précédente vidéo, j'ai essayé d'ouvrir une porte dans le hall d'entrée que j'ai pas réussi à ouvrir. Et là, en fait, je me suis trompé de porte, à mon avis. C'est que là, avant, j'ai essayé, puis j'ai réussi. Alors, c'est parti, on va à l'affaire! Putain, j'ai failli me paniquer par un fantôme. Faut appeler les SOS fantômes. Allez, allons à l'affaire. Affaire botanique. Ouais, normalement, on sait tous que les escaliers ne bougent pas comme ça. Non, mais voyons. Ce qui est bizarre, c'est les seuls moments où on entend Harry, où on entend les pas de Harry quand il marche ou quand il court, bah, c'est quand je suis dehors en fait. Mais quand je suis dans le château, on n'entend pas les pas, c'est assez bizarre en fait. Je sais pas si c'est un bug. Alors voilà, nous sommes arrivés à la serre, puis on doit trouver le sort de découpe. Je me souviens, hein. Pourquoi il regarde l'arbre? C'est bizarre. Ah d'accord. S'il a regardé, ce n'est pas pour rien.
Ok, d'accord. Alors, costaud. Comment on fait jeter? Ah, d'accord, aussi. Oh, bon, il suffit de jeter un peu. On peut utiliser. Entends le mur dans la gueule. Ça c'est lourd ces conneries, hein, putain. Hop, le dernier. Voilà. Ouais, bof, il est pas terrible hein, ce soir. Hein. Voilà quoi. Il fait beau, il fait chaud, hein. Des cubes à pas de vœu. Bon, sauf que là, il fait nuit. Ouais, c'est bien, hein, au moins ils ont la notion du jour et de la nuit. Parce que ouais, dans certains jeux Harry Potter, la notion de nuit n'existait pas. Ce qui était complètement débile. Hein. Alors, c'est quand même bizarre, hein. Il y a des personnes qui sont là pour surveiller la bibliothèque, mais il n'y a personne. Viens à moi, que je te déchire, que je t'écorche. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais il faudrait vraiment qu'il change de disque, hein. Que je te déchire. Que je t'écorche. C'est doux. Allez donc. Tiens, armure.
Ouais, pourtant dans l'école des sorciers, ils me donnaient un truc quand je faisais ça. Tant pis. Mais tant pis. Mais ce que je disais, c'est qu'en fait, ils mettent des personnes pour surveiller la bibliothèque, mais personne pour surveiller l'entrée du château. C'est assez bizarre, Oh quoi. non! Monsieur Potter, mais qu'est-ce que... Oh! Que s'est-il passé? Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Suivez-moi, Potter. Elle mena Harry au bureau du professeur Dumbledore. Mais professeur, je vous jure, je n'ai... Il y découvrit le choix-pot magique. Je me demandais si je t'avais envoyé dans la bonne maison. C'est vrai que le choix a été difficile. Mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu ta place chez les Serpentards. Il y trouva également Fume-Sec, le phénix du professeur Dumbledore. Les phénix sont des créatures fascinantes. Ils peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. Sans oublier le professeur Dumbledore. Je ne pense pas que tu sois coupable, Harry. Mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que tu veux me dire. Viens. Viens à moi. Que je te déchire. Que je t'écorche. Eh bien, alors. Non, rien, professeur. Très bien, si tu en es sûr. Bonne nuit, Harry. Bonne nuit, professeur. Bonne nuit, Père Noël. Viens. Que je te déchire. Que je t'écorche. Vous savez quoi, à la fin du jeu, je crois qu'on va, on va devenir des gros sadiques. Viens, ma fille. Que je te déchire. Que je t'écorche. Bon, ouais, mais l'autre, il m'a... Putain, même les livres, ils veulent me tuer, mais c'est un truc de fou. Tiens, ça va faire les choses. Putain, je vois les paroles, là. Chier le Père Noël, là. C'est fermé à clé. C'est bien, c'est cool, quoi. Alors, je dois aller dans mon dortoir. C'est pas par là. Ok. C'est ni par là. C'est quoi ça? Ouah! Putain, ça m'a fait flipper sa mère. Ah, c'est une main. C'est quoi là? Tiens. Elle pouvait la casser. Ah, peut-être. Bon, d'accord. Y a rien que lui qui peut lui faire peur. Oh, je croyais qu'il allait avoir un lapin qui sortirait du chapeau. Je suis déçu. Bon bah je crois qu'il reste une porte. Mais il reste... Non, c'est par là. Ça c'est les escaliers. Voilà, il faut que je rejoigne Hermione. Dun, 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 dun. Ah, il faut savoir aussi que j'ai vu plusieurs versions de l'école des sorciers, que Harry Potter et la chambre des secrets sur... J'ai vu la version PC, j'ai vu la version PS2 et elles sont tous différentes. Bah, je veux dire, l'histoire c'est la même, hein, je veux dire, le chemin c'est à peu près le même bordel, mais il y a plus de cinématiques dans les différents jeux. Bah, sur PC il sera largement plus beau, bien sûr, hein, comme d'hab. Et plus courant et plus vaste. Ouais. Et alors que sur bah, PS2 c'est à peu près pareil, sauf que voilà, l'émission diverge. Et m'attraper le livre. L'émission diverge, mais je trouve moins coloré et moins beau que la version Nintendo GameCube, voilà quoi. C'est tout ce... Il y aura des divergences entre chaque version, hein, que ce soit la version PC, Nintendo GameCube et PS2, voilà quoi. Allons aider notre compagnon.
Bien joué, Harry. On peut libérer Neville maintenant. Non. Qu'il a essayé de faire foutre, je vais le laisser crever derrière ce tableau. Je suis maudit. Je suis Harry maudit. Oh, ma tête est heureuse. Ok. C'est peur, hein. Il a un corps d'adulte avec une tête d'enfant. Normal. Bienvenue chez les psychopathes. Lumos. Merci, Harry. Je me voyais déjà coincé ici pour l'éternité. Bravo, Harry. Oh, tout cela m'a épuisé. Je crois que je vais aller me coucher maintenant. Mais Hermione, Nick quasi sans tête a été attaqué et je... Oh, et puis je te raconterai ça demain matin. T'as raison, tu lui raconteras ça demain matin. Bon, tu peux aller la retrouver dans son lit pour lui raconter tout ça... Oui. Oui, je mange, j'ai le droit de manger, hein. Je suis pas un robot, je suis un homme. Je suis un être humain. J'ai des besoins. J'ai des besoins. Alors. Joli blanc. Pas mal. Le vert va bien au blanc dessus, je vois. Voilà. Une carte. Du magicien. Une survie. Numéro 65, Gondoline Oliphant. On dirait Robin des Bois. je savais pas que Robin des Bois était un magicien et qu'il avait été à Poudlard. Enfin bref. Spécialiste des trolls, tué par le modèle qui tentait de dessiner. J'ai rien compris. Sinon, je comprends un truc à ce que je dis. Ce serait un miracle. Bon. Ok. Ça, c'est la bibliothèque. Maintenant, on doit aller se coucher. C'est ce qu'on va faire. Chaque fois, je me trompe de tout. Allez. Gryffondor. Ouf souffle. Serre d'aigle. Serpentard. Salut Hermione, qu'est-ce qu'on a comme cours ce matin? Défense contre les forces du mal avec Gilderoy Lockhart. J'ai tellement hâte. Ah, et moi donc? On se rejoint au troisième étage, devant la salle de défense contre les forces du mal. Excusez-moi pour cette interruption, mais... J'ai dû faire sortir mes chats. J'aime pas les chats. Bonjour. Tu sais ce que c'est, toi, la chambre des secrets? Tout le monde en parle depuis ce qui s'est passé hier soir. Ouais, je sais ce que c'est. C'est une chambre qui protège un secret. Tiens, il va peut-être me dire merci, lui. Je suis sûre que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé à Nick quasi sans tête, Harry. Mais bon... J'étais coincé derrière la tapisserie quand ça s'est passé. La tapisserie. Tapisserie. À pas confondre avec pâtisserie. Je faisais.
Je ne peux pas entrer par là. Je sais même pas si c'est ici le troisième étage. Ah non, pas celle-là, à chaque fois je me fais avoir. Ils ont gâché de la mémoire juste pour faire une salle comme ça, c'est quoi, c'est... une salle, rien. La salle où il n'y a rien. Ils ont fait ça. Oh, débile. Ils ont mis une salle vide. Oh, putain, les blondasses qu'il y a ici. Ah, j'ai trouvé les deux sœurs jumelles. Avec carrément. Oh putain. Mon dieu. Non, pas par là. Oh bah c'est pas par ici. Ah oui, c'est l'étage au-dessous. Ah c'est là, c'est là. Numéro 31, Balfour Blaine. Ou Gargamel pour les intimes. Numéro 83, Roderick Plumpton. Roderick Plumpton. Il ressemble un peu à Harry Potter. Hein. Ah ouais. Attrapeur de l'équipe de Quidditch de Grande-Bretagne. Il détient le record de rattrapage de Vildor en 3 secondes et demie. Putain! Vite, Harry! Le professeur Lockhart nous attend! Tout le monde me voit, tout le monde m'entend, parfait. Cette année, je vais vous enseigner l'art du duel. Je vous présente mon assistant, le professeur Rogue. Harry, approche, s'il te plaît.
le défi du sortilège Expelliarmus se déroule par ici. Donc, il faut tout d'abord que tu prennes le livre du sort Expelliarmus, qui se trouve de l'autre côté du portrait. Lorsque tu auras récupéré ce livre, tu pourras lancer des sortilèges Expelliarmus à ta guise. Je me demande si le livre du sort ne se trouve pas au bas de ces escaliers. Bon, c'est pas rassurant du tout, hein. Mais le sol, il est vachement bien fait, putain. Je kiffe. Le marbre. Bon, Ah non. Quand le truc qui me pousse en même temps. Waouh. J'ai même pas le temps de me sauver. De ma gueule. Non, c'est bon, gros. Tiens, je vais te casser. Génial. Non, c'est bien. Je peux pas les viser. Non. Putain, je comprends que dalle. Il faut faire comment pour les casser? Je crois qu'on va les casser. Ouais, faut pas trop se mettre de... Là, mieux s'éloigner. C'est quoi ces trois boules? Mais nique ta mère la boule. Mais putain, hein. Mais va... Et vas-y, c'est quoi cette vue? Mais... Et c'est tout? Putain, je comprends que dalle. Qu'est-ce que je dois faire? Mais vous voyez, je peux même pas changer le changement... la direction de la vue. Ce qui est génial, c'est que... Pourquoi ils font déjà? Et à quoi ils me servent les bouboules? Faut que je les détruise. Logiquement, je dirais oui, mais... La logique dans ce jeu est très surfait, on va dire. J'ai cœur, je suis un peu brûlé. Ah, faut peut-être que je les découpe. Ouais, à mon avis, faut que je les découpe. Putain, j'ai même pas le temps de faire mon sort. Vous voyez, quand même, attends, il y en a deux qu'il faut sur moi. Oh, putain, mais au moment que j'appuie, le truc il me pose dessus. Pourquoi ça marche pas donc? Hein, il avait écrit un truc. Il avait écrit un A. Non, mais il n'y a rien écrit du tout. Bon, il faut faire quoi? Voilà quoi. C'est bien beau tout ça, mais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, j'adore faire des let's play. Mais faut que je fasse quoi? Ouais, peut-être que je fasse un Lumos. Peut-être que je fasse pas. À la cœur. Oh putain, mais... Mais le poids plus vite, ça... D'accord, il revive. J'aime bien parce que en fait, ouais, y a un bouton esquivé mais qui sert à rien. Oh non, dis-moi pas qu'ils vont tout me faire recommencer jusqu'à la dernière sauvegarde, parce que si c'est le cas, je les démonte. Putain, ça me casse les couilles.
Lumos. Et non. Putain, mais c'est pas vrai, mais comment on peut faire pour rester aussi nul comme moi? Ah d'accord, ça y est, j'ai compris, il boit automatiquement, c'est pour ça que je suis pas mort. Probablement notre première défaite.
Allez le savoir, ça, hein. On nous le dit pas, hein. Non, c'est essentiel, ça, dans la jeu. On peut pas passer par là, hein. Alors si ça c'est pas une mort violente. Je suis mort comme une merde. Comme une grosse merde. Wow, je savais pas ça. Que je cours moi, hein. Ah t'es connard. Allez, jette-le. Tiens. Va faire un tour en bas toi aussi. Mais pute. Effet optique, j'ai cru que j'étais quand même un petit peu, hein, en retrait pour pas qu'il touche, et finalement, mais... C'est bon, on pouvait les tuer, cette putain de bête à la con. Hein, mais putain, et Harry Potter, il est vraiment con. Il met 2 heures pour avancer. Allez, bon voyage, mon gueule. Ah merde, je me suis trompé comme d'hab. Oh, mais nique ta mère toi aussi là. Voilà, c'est bon, on va pas s'occuper d'eux, on en a rien à branler. Putain. Qui vous défonce la gueule. Je t'encule, mais je t'encule bien profond. C'est bon. Allez. Ouais. Putain.
tu vois, les filles. Ah, la vue, elle est vraiment merdique. Putain. Bon, ok, on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour affronter ces genres de gargouilles, hein, on peut appeler ça comme ça. Allez, ciao, bye bye, à suivre. Je te déchire.